Ouais, bonjour, bonjour, c'est Jeffrey de Diaspora, ça va bien? Bon, ben là, tu vois, on en a une bouteille de bière, mais c'est de la bière sans alcool. Tiens, t'as qu'à vérifier? C'est Ginger Beer. Ginger Beer, qu'il n'y a pas d'alcool dedans. On a mis de l'eau dedans. Et t'as vu cette plotte? Elle est très belle. Hop, 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 hop. Et ben, elle a fait des racines dans la flotte. Elle a fait des racines dans l'eau. Et bien dis donc, les basiliques. Très beau les basiliques. Quand tu le mets dans l'eau, au bout d'un mois, il fait des racines. C'est bien. Donc, quand il a fait des racines, tu peux le replanter dans la terre. D'accord? Là-dedans, il n'y a que de l'eau. Mais quand tu le fais, il reste un mois dans l'eau, il faut te remettre de l'eau tout le temps parce que la branche, elle boit l'eau. Tu comprends? Donc là, on va le replanter dans la terre. On va voir si elle peut survivre. Et elle peut grandir, et elle peut s'épanouir. Donc je la replante, j'ai besoin de rien du tout. Il y a déjà de l'eau ici, dans la bouteille. Et puis, il y en a l'outil qui sert à faire des trous dans la terre. C'est le petit outil que c'est celui-là. Tu vois l'outil? Et ben, brap, je vais faire un trou. Hop, c'est vraiment très sec, hein. On fait un trou et on va mettre la branche. Hop. On va la mettre dans le trou. Voilà, comme ça. Après, on ramène de la terre autour. Comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Et comme c'est le soir, il n'y en a pas du soleil. Eh ben, on va arroser ça. Avec l'eau de la bouteille, c'est de l'eau, c'est pas de la bière de gingembre, hein. C'est pas du jus de gingembre. Hein. Hop, elle a de la chance cette plante parce que nous on boit pas d'alcool, on boit que des breuvages sans alcool. On la replante, on l'arrose un peu. Comme c'est le soir, je peux arroser les feuilles, il n'y a pas de souci, il n'y a plus de soleil à cette heure-là. Donc j'arrose bien, bien, bien. Ah, j'en ai encore d'autres dans la maison, des bouteilles avec des basiliques dedans. J'ai la moitié qui est morte, mais j'ai la moitié qui a été vivant. Enfin, les trois quarts qui a été vivant. Donc je suis tranquille. Et les autres, je vais les replanter un autre jour. Et quand je les replante là, je les replanterai. Et ben, je vais faire un appel à toi. Comme ça, tu vas regarder la vidéo. Bon, je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt. Maintenant, je raccroche, je vais faire autre chose. Et puis, c'est tout. Si tu veux activer la cloche, tu actives la cloche. Et si tu veux souscrire la chaîne, tu souscris la chaîne. Tu es le bienvenu. Il n'y a pas de problème. On te dira jamais de ne pas venir voir ce qui se passe ici. Hein. On te dira toujours que tu peux venir, tu es le bienvenu. Il n'y en a pas de soucis. Tu comprends? Bon, ben, si tu veux partager la vidéo, tu partages la vidéo. Si tu veux activer la cloche, tu actives la cloche et tu souscris. Je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt. Et puis, il y en a aussi, attends, je vais te montrer, de la marante qui pousse ici. Il y en a de la marante. T'as vu ça? Et à côté, il y en a des haricots. Haricots. Voilà, c'est mignon tout ça. Elle va pas s'ennuyer tout seul, ce petit-là. On va essayer de prendre soin de lui. Bah, je te fais un gros bisou. Et puis, toi aussi, jardine bien, fais bien ton bricolage. Et puis, je te dis à bientôt. Allez, tu peux laisser un commentaire si tu veux. Oh, j'ai croyé que j'ai filmé, j'ai pas filmé. Parce que j'ai planté un basilic. J'ai fait n'importe quoi. Vraiment, vraiment, j'ai fait n'importe quoi. J'ai planté un basilic ici. Je l'ai sorti de la bouteille. Je suis vraiment confus. J'ai sorti de la bouteille ici. Oh, il y en avait de l'eau. Et la broche de basilic, et ben
je l'ai planté avec cet outil-là. Hop, 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 je l'ai fait un trou. La broche de Belgique, je l'ai planté. Bon, ben, je croyais que j'ai filmé, j'ai rien filmé du tout. Donc, tu n'as rien vu. Je vais revenir avec une bouteille pour te montrer un peu comment c'est. Et puis, bon, à tout de suite. Ben c'est quoi, j'ai filé la diaspora, je voulais te montrer. Et tu vois, on met des branches de basilic dans des bouteilles comme ça. Et avec de l'eau à ras-bord. Et les branches de basilic, elles boivent l'eau, Et après, ça fait des racines. Ça en fait des racines comme ça. Tu vois, c'est mignon quand même. Et après, quand ben, c'est assez mature, les racines, il y en a assez de racines, tu mets ça dans l'eau. Tu mets ça dans la terre. Tu prends de ta bouteille, tu mets dans la terre. Tu vois toutes les racines, c'est quand même hallucinant. Hein. Tout ça, ça en est des racines. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai fait avec le petit. Il était tout seul dans sa bouteille. Il s'ennuyait. Je me suis dit, je vais le mettre dans la terre. Parce qu'il était avec une autre branche qui est décédée. Donc l'autre branche, on l'a enterrée. On a fait un enterrement. Et puis on s'est dit, ouais, on va mettre le petit ici, dans la terre. Parce qu'il est tout seul, il va s'ennuyer. Comme il y en a des plantes à côté. Comme ça, il va discuter avec les amarantes. Et puis il va se faire des amis. Mais je te fais un gros bisou. Je te dis à bientôt. Et regarde, quand tu laisses ça un ou deux mois dans l'eau, ça fait des racines et tu es tranquille. Et pendant ce temps-là, ton pot d'où viennent les branches, tu l'as planté ailleurs et lui-même, tu l'arroses et il pousse dans la terre. Et ça, c'est de ton côté, dans ta maison, dans sa bouteille. Et il est tranquille et il fait des racines. Et après, tu vas replanter. Ça fait toi le double de ce que tu avais au début. Et tu es trop content. Je te fais un gros bisou. Je te dis à bientôt. Tu peux faire pareil si tu veux. Moi, j'en ai quand même les trois quarts de la récolte qui a survécu, qui a fait des racines. J'ai tout replanté les pots d'origine avec les petites pousses. Et ça, j'ai perdu un quart qui est décédé aussi. Mais on ne les a pas enterrés, ceux-là. On les a jetés dans le compost. Et les trois quarts, ils sont restés, ils ont fait des racines dans les bouteilles. Donc de temps en temps, ils ont trop soif, il faut remettre des bouteilles. De temps en temps, il y a une pousse qui meurt, ben, c'est pas grave, mais les plus résistants, ils restent là, et ça fait des plans d'avance qu'on va mettre à replanter ailleurs, autre part, un autre jour. Ben, je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt. Je suis désolé parce que je n'avais pas filmé quand j'ai planté le petit pied qui est ici, c'est pas grave. Mais au moins, j'ai réussi à t'expliquer malgré tout, parce que j'en avais encore des réserves dans des bouteilles. Bon, ben tu peux activer la cloche, tu peux t'abonner si tu veux, tu peux transmettre et propager à tout le monde. Je te fais un gros bisou. Je te dis à bientôt.